Bravo à l'équipe pour l'organisation de ce soir. Bravo. Soirée des bénévoles, c'est votre soirée. C'est une fois par année, mais si on s'écouterait, ça serait beaucoup plus souvent que ça. Parce que c'est très important, les bénévoles qu'on a à Sainte-Julienne. Pour une ville comme Sainte-Julienne, le nombre d'organismes qu'on a et tout le bénévolat que vous faites, en fin de compte, pour les citoyens de cette ville, et c'est un service aux citoyens qui est vraiment exceptionnel pour une ville comme Sainte-Julienne. Je tiens à vous remercier sincèrement parce que le bénévolat et les organismes de la ville, au risque de me répéter, vous êtes le cœur de la ville. Fait que je vous applaudis et applaudissez vous tous, tous bénévoles que vous êtes ici. Cette année, il y a le soccer, il y a trois équipes qui se sont vraiment démarquées cette année. Et je tiens aussi à remercier notre député, M. Nicolas Marceau, qui en a fait mention à la Chambre des communes il y a quelques semaines. Fait que bravo Nicolas. Puis en fin de compte, bien, à la Chambre des communes, Sainte-Julienne, bien, par rapport au soccer, bien, on a parlé de Sainte-Julienne. Fait que bravo. C'est une très belle tribune. Merci beaucoup. Je cède maintenant la parole à M. le député de Rousseau pour sa déclaration. À vous, monsieur. Oui, merci. Je veux souligner l'année exceptionnelle du FC Sainte-Julienne, une association de soccer de ma circonscription. L'organisation compte environ 300 joueurs et, fait à noter, il y a autant de filles que de garçons dans les équipes du FC Sainte-Julienne. 2017 fut une année exceptionnelle car, en plus de voir toutes ces équipes compétitives se qualifier pour les séries, trois d'entre elles se sont particulièrement démarquées. Le U11 féminin est champion de la Coupe Lanaudière et finaliste à la Coupe des champions. Le U12 masculin a remporté la Coupe Lanaudière ainsi que la prestigieuse Coupe des champions, une première pour le FC Sainte-Julienne. Elle est d'ailleurs la meilleure équipe de la région dans sa catégorie. Pour sa part, le U14 masculin est détenteur de la Coupe Lanaudière. Je tiens à féliciter les joueurs ainsi que le président, M. Éric Prévost, le conseil d'administration, les entraîneurs et les nombreux bénévoles qui font du FC Sainte-Julienne une organisation maintenant reconnue régionalement. Bravo pour votre dévouement et félicitations pour vos réussites. Merci, M. le président. Alors, bravo pour cette saison vraiment fabuleuse. Puis on souhaite que l'année prochaine, ça se poursuive parce qu'il y a des entraîneurs très impliqués qui les suivent, ces jeunes-là. Alors, c'est beau de vous voir aller. Les organismes, c'est important pour nous à Sainte-Julienne et on va toujours les supporter et même bonifier. La politique de reconnaissance des organismes va être bonifiée dans les années qui s'en viennent parce que c'est tellement important tout le service que vous donnez à nos 10 000 citoyens. Merci beaucoup, encore pour le moment. Chaque année, vous savez qu'on, dans le fond, propose le nom de candidature pour la médaille du gouverneur pour les aînés. Alors, cette année, on a deux personnes qui se sont méritées la médaille du gouverneur général. Il y a une personne qui ne pouvait pas être ici ce soir, c'est Mme Janine Rivet. Mais soyez sans crainte, elle a reçu sa médaille, puis on lui a préparé une belle plaque souvenir et le texte qui a été soumis pour sa candidature. Mais on a une autre personne qui est ici ce soir, puis je vais vous lire le texte qui lui a permis de recevoir la médaille. La municipalité de Sainte-Julienne est très fière de présenter la candidature de Mme Jacqueline Lemay-Venne, une femme de cœur, une vraie. Moi, je pense qu'on l'applaudit, là, j'ai comme mis de l'émotion, allez-y! À différents moments de sa vie, l'univers, comme elle le dit si bien, l'a amenée à s'impliquer bénévolement auprès d'organismes et d'êtres humains, aussi petits soient-ils, qui ont croisé sa route. Débordante d'empathie envers autrui, le bénévolat a toujours été présent dans son quotidien. Sa carrière bénévole a débuté chez les Sœurs des Saints-Noms de Jésus-de-Marie, où elle était pensionnaire. Elle y accueillait les nouvelles élèves afin de les familiariser avec le milieu.
Parallèlement, lorsqu'elle était de retour à la maison familiale, pendant les vacances estivales, elle s'impliquait à organiser des activités sportives et de bricolage. Elle avait même été élue mairesse du parc de Normanville. Vers l'âge de 30 ans, elle a adhéré au mouvement scout. Parfois cuistot, parfois accompagnatrice, elle s'est impliquée pendant plus de 4 ans avec une troupe de Jeannette, les Jets Bleus. Lors de son arrivée à Sainte-Julienne en 2002, elle a participé à un projet Collation Nutrition de la Fondation Magie, mouvement d'aide aux jeunes d'ici, qui consistait à cuisiner des galettes à l'avoine. Ces collations matinales étaient remises gratuitement aux élèves des 3 écoles primaires de Sainte-Julienne. C'était le début de son implication juliennoise. Par la suite, elle a été présidente du Club Optimiste de Sainte-Julienne, présidente des Jeux du 3e âge de la MRC de Montcalm et membre du jury du concours de phare du Festiver. C'est à titre de directrice générale de la Société Saint-Vincent-de-Paul qu'elle œuvre depuis plusieurs années. Sans jugement, l'accueil de l'autre et trouver avec lui les solutions nécessaires à son bien-être est une priorité pour elle. De façon naturelle, sa plus grande motivation, elle aime quand les autres sont bien. Les valeurs prônées par cet organisme, charité, fraternité, respect, justice, sont également les qualificatifs de cette femme sensible qui est au service des plus démunis pour donner espoir. C'est donc avec beaucoup de reconnaissance que la municipalité choisit d'honorer Mme Jacqueline Lemévin à titre de bénévole s'étant distinguée pour l'ensemble de ses accomplissements. Premièrement, un gros merci. Je voulais vous dire que j'ai décidé dernièrement de partir quelque chose de très important pour les bénévoles. J'en ai parlé à M. Marceau, mais juste au cas que ça ne bouge pas, je vous le dis tout de suite. À un moment donné, je vais me promener partout dans les organismes, partout où il y a des bénévoles. Je vais vous demander de signer une pétition pour qu'on soit vraiment reconnus, nous, les bénévoles. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'à chaque heure donnée par tous vous autres, que vous puissiez avoir 50 sous de crédit d'impôt à la fin d'année. C'est pas beaucoup, mais c'est ce que je veux et c'est ce que je vais entreprendre. C'est ma prochaine mission. Merci. J'inviterai maintenant M. Yvan Saint-Pierre, président du groupe Scout de Sainte-Julienne, à vous adresser aussi quelques mots. On vous avait demandé dans l'invitation si votre organisme avait un coup de chapeau, une mention spéciale. Alors, Yvan a quelque chose à mentionner. Trouver quelqu'un qui fait des bons coups chez les scouts, tout le monde travaille fort, on essaye de faire notre gros possible pour les jeunes, puis j'aurais eu bien de la misère sur le coup à penser à quelqu'un en particulier parce que vraiment, on fait vraiment le mieux qu'on peut. Et puis là, j'ai eu une idée qui m'a été donnée par une personne qui est dans le groupe depuis, quoi, ça fait plus que 35 ans. Lui, il a fait des bons coups pendant 35 ans. Je ne sais pas si vous le connaissez, Christian Landry, il est ici, là, il prend des photos des fois. À la fin de l'année dernière, on a des jeunes... Nos plus vieux, on les appelle les pionniers, les jeunes de 15 à 17 ans, il y a quelques années, ils ont fait un projet particulier. Et puis, à la fin de l'année dernière, ils ont fini par recevoir la reconnaissance qui venait avec ça. Puis, c'est le coup de chapeau qu'on veut donner parce que c'est eux qui vont être notre relève. Ils sont déjà dans une certaine mesure parce qu'il y a des personnes qui sont ici qui font déjà partie de nos bénévoles maintenant, qui étaient des jeunes à cette époque-là, bien, qui sont encore jeunes. Mais... Donc, à fin 2016, les pionniers de Sainte-Julienne ont reçu au Château Frontenac, des mains du gouverneur général du Canada, l'honorable David Johnston, la badge Annapurna. Cette badge-là, c'est pour souligner l'excellence de leur projet de camping d'hiver qu'ils avaient fait une couple d'années avant, ouvert à la population. Et puis, il y avait eu pas mal de jeunes qui étaient venus camper avec nos jeunes scouts de l'époque, qui maintenant, parmi ceux-là, il y a des animateurs. Et puis, on en a deux ici ce soir, effectivement. Il y a Cynthia qui est avec nous autour de la table, et il y a Mathieu qui est en arrière, qui vous sert la boisson ce soir, ben c'était notre... Il est toujours, il est encore après avec nous autres, en train d'animer
ces mêmes pionniers-là dont il faisait partie puis avec lesquels il faisait du camping pour la population à l'époque. En près de 40 ans d'existence, parce que le groupe a été fondé en 79, on va avoir 40 ans bientôt, c'est la première fois qu'une unité du groupe scout de Sainte-Julienne recevait un tel honneur. Alors bravo à ces jeunes qui forment déjà notre relève. Merci beaucoup. J'inviterai un autre membre des scouts, Monsieur Marc Leblanc. Nous voudrions rendre hommage au pilier de notre groupe, un homme humble mais essentiel à notre fonctionnement, notre président, M. Yvan Saint-Pierre. Yvan, nous sommes fortunés d'avoir quelqu'un d'aussi extraordinaire que toi dans nos rangs. À toi seul, tu incarnes à merveille la loi scout. Frère de tous, tu respectes le travail de chacun. Ardent défenseur de la justice, tu protèges la vie. Tu répands la joie et tu fais de ton mieux. Bref, tu es quelqu'un d'engagé à 150%, et ce, simplement pour le désir d'un monde meilleur. Tu t'impliques dans l'ensemble des comités et parfois même tu t'occupes des rôles d'animation lors de nos journées amitié. Malgré que tu refuses d'animer, ce serait tellement drôle. Sur ce, je termine en te disant, de la part de l'ensemble du groupe, des jeunes et des adultes, tout simplement un grand merci. J'inviterai Mme Terry Martin du club On Marche Sainte-Julienne. Depuis 17 ans, je peux vous dire qu'avec On Marche Sainte-Julienne, là, j'ai été entourée de monde exceptionnel. Et puis j'aimerais mentionner, les gens qui sont à la table avec moi, c'est des gens qui ont gagné le trophée qu'on remet à chaque année, mais ça a été des piliers. Ça veut dire qu'à un moment donné, on a des gens qui nous arrivent, ils ne sont pas trop en forme, ils ne savent pas trop à quoi s'attendre, mais on fait juste marcher, mais avoir du plaisir. Mais ça, ça veut dire aussi garder la forme. Il n'y a pas d'âge pour marcher. Il n'y a pas d'âge que le marche ne vous emportera pas un plus en santé. Alors, Monsieur le maire, les conseillers, merci. L'équipe de Nathalie, merci. Et j'aimerais encore, si vous voulez, applaudir M. Bernard pour les 17 ans d'assiduité et d'excellence.